Bonjour, je m'appelle Azine Lanaït, je suis ingénieur civil chez Vivacqua et je travaille au bureau d'études gravitaires. C'est tout un programme, hein, des passages sur chantier. Le bureau d'études gravitaires a cette particularité que nous sommes un bureau d'études et en même temps un bureau de suivi chantier. Donc nous suivons les dossiers de A à Z. Sur les chantiers, les entrepreneurs doivent nous soumettre des notes de calcul que nous devons approuver au préalable. Nous sommes responsables aussi d'une petite dizaine de techniciens, donc épaulés par un chef de secteur, mais donc il faut se tenir au courant de ce qu'ils font, de comment se comporte leur chantier, les dossiers à venir puisqu'il y a les études. Nous devons être disponibles quand ils ont besoin d'aide, de conseils. Ce qui est plaisant dans ce métier d'ingénieur chez Vivacqua, c'est d'abord le vaste panel de techniques auxquelles on peut être confronté. Beaucoup de travaux souterrains, donc de la géotechnique. Nous sommes amenés à avoir beaucoup de contacts avec les acteurs régionaux. Ça fait beaucoup de rencontres aussi. Quand on aime ça, c'est agréable. Le travail d'équipe se fait dans une ambiance assez solidaire. Travailler chez Vivacqua, pour moi, qui suis un Bruxellois, mais c'est travailler dans un acteur important de la région où je vis. C'est un travail qui a du sens, c'est-à-dire qu'on travaille pour la collectivité et en ce qui me concerne, la collectivité dans laquelle je vis. Donc je trouve ça important et intéressant. Si je pouvais avoir un conseil aux futurs collègues ingénieurs, ce serait de leur dire que s'ils aiment travailler pas seulement dans une entreprise de service public, mais dans une entreprise de service au public, dans une entreprise où ils peuvent être confrontés à différentes techniques, à avoir des responsabilités par rapport à des équipes, alors Vivacqua est faite pour eux.